Et oui, aujourd'hui c'est l'anniversaire du grand V2F, du coup n'hésitez pas à être un maximum à aller sur son Twitter @IV2FI, j'espère que j'écorche pas le nom de ta chaîne, pour le spammer de joyeux anniversaire de la part du pape. Bonjour à toutes et à tous, c'est Chuck Lacroix et je souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui c'est moi qui suis chargé de te concocter le petit menu du top 10 kill code QG. Aujourd'hui un top 10 kill spécial, rien du tout, on a juste une mixité incroyable puisqu'on va avoir des clips sur Black Ops 2, des clips sur Black Ops 3, des clips même sur Modern Warfare 2, on a des clips à l'arme, on a des clips au sniper et même en coup de poing à Manu. Bref, tout pour faire plaisir à Charles et Glantine, du coup n'hésite pas à lâcher ton like dès maintenant et à faire un don avant que le top 10 commence. Ouais, il est trop tard, on est déjà parti sur le 10ème clip. On va se retrouver avec TheTT37300 sur la map Citadelle du dernier DLC de Call of Duty Black Ops 3 Salvation, et malgré son pseudo tout fun, tout gentil, et bah le mec c'est un bagarreur et il va décrocher 8 knockout à ses adversaires alors qu'il n'avait absolument rien demandé. Le mec il va même te faire une quad feed au point dans l'escalier en colimaçon, et oui c'est un détail important, et si t'es pas d'accord avec ça tu ne peux rien faire, c'est moi le commentateur. Et puis bah on va passer au 9ème clip tout simplement. Et ce 9ème clip c'est celui de Marvin Cutrera qui va jouer à la Kuda sur la map Nocturne de Call of Duty Black Ops 3. Il va jouer en simple, donc il faut pas mal de balles pour éliminer les adversaires, mais lui il s'en bat les couilles. Il va tout coucher 9 ennemis avec une facilité déconcertante, puisque voilà, il te les couche comme à la maternelle. Ah ouais, tu te souviens de ces années où tu chérissais tant l'heure du repos, l'heure du sommeil, à l'école, c'était un truc de ouf. À la 8ème place, on va changer de jeu pour aller sur la map Hijacked de Call of Duty Black Ops 2 avec un mec qui a encore le mal de mer. Il s'agit de QX Demon. Il va jouer avec son balista Mir pour te faire une petite quad feed, etc. etc. Il va te ramasser un balista silencieux et puis te faire quelques opérations du cerveau, bref, il a wrecked le game pour te faire 9 éliminations dans ce clip. On décale ensuite sur la prête de Call of Duty Black Ops 2, toujours avec Armor Chaos et ses snipers, le balista, le XPR, il va te faire des instances web, des switch, toi-même tu connais, il va se diriger vers le spot bien connu et puis te réaliser une petite quad feed on screen avec la triple feed headshot là-dedans, de quoi épater tes amis au camping de Saint-Jean-sur-Meuse un mercredi soir du mois de juillet. Oui oui, j'ai déjà essayé et ça fonctionne. Et on va rester dans la thématique du camping pour le clip suivant, pas du tout, ça n'a rien à voir puisqu'on va se retrouver sur la Hunty de Call of Duty Black Ops 2 avec un vrai chasseur puisqu'il s'agit de ARM et son P06 qui va te scope un ennemi là-bas et te faire la quad pour la 5 feed on screen, ça fait toujours plaisir bordel. Cinquième position, on va sur la map Redwood de Call of Duty Black Ops 3, ça se passe en hardcore avec Melly 49300, le mec il a mis OMW poteau en nom de clan, donc c'était sûr qu'il allait rentrer à clip. Il va te faire une petite quad feed pour commencer avec son annihilateur avec une triple et une balle, et puis il va te faire quelques petits ennemis encore pour te réaliser une deuxième quad feed à l'aide de son P06, un magnifique clip, et abonne-toi à la NMAUE poteau, si si, toi-même tu connais la famille. Maintenant on va complètement switcher d'époque, switcher d'armes, switcher de style de jeu et switcher de jeu tout simplement, puisqu'on va se retrouver sur la map Estat de Call of Duty Modern Warfare 2, tu l'auras reconnu avec le joueur Apex. Je sais pas comment ça se dit, je comprends pas, et d'ailleurs j'ai rien compris à ton clip non plus. Bref, le Space 12, plusieurs quad feed, tu comprends rien, t'as des trucs qui se débloquent, bref, un énorme clip. On va revenir posément avec la troisième marche du podium sur la map Red de Call of Duty Black Ops 2 avec le XPR de Monsieur Solar Hero pour te décrocher une 6 feed on screen au spot bien connu de Red. Eh oui, tu peux compter, il y a bien 6 ennemis affichés sur l'écran. En tout cas, qui est-ce qui est plus connu que le spot de Red sur Code QG? Eh ben c'est le joueur You Want to Play. Eh oui, à chaque top 10, presque à chaque clip du jour, le mec il envoie son clip. Et il passe, on dirait c'est une team le mec, on dirait il y a 30 personnes qui jouent sur son compte et qui te sortent des clips à foison. Ouais ouais ouais, le mec il te sort plus de clips que les teams, c'est You Want to Play bordel de merde. Bref, aujourd'hui il te sort encore une fois bah, quelques petites séries d'adversaires comme ça dans la game, et puis le clip marquant de ce passage vidéo, eh ben c'est la 5 feed on screen réalisée par You Want to Play sur la bridge de Call of Duty Black Ops 3. Encore un énorme GG à toi mec. Et pourtant aujourd'hui la première place de ce top 10 va pas revenir à You Want to Play mais à Ozoli qui va jouer en mêlée générale sur la Nocturne de Call of Duty Black Ops 2, et je t'avoue que la première fois que j'ai vu ce clip, je croyais qu'il allait monter sur les escaliers et te sortir une quad d'une balle. Non, c'est pas ça non plus, tu vas te calmer. Par contre, il va te scope là-bas, te faire une double collatérale en mêlée générale, rien de plus normal. Il va te continuer pour une 5 on screen, une deuxième 5 on screen, une troisième frère on screen, bref, double collatérale plus 5 on screen x 3 en mêlée générale, c'est juste un truc de fou. Tu ne peux pas voir ça deux fois dans ta vie. C'est donc ta chaîne qui sera placée dans la subbox de Code QG jusqu'au prochain top 10. Donc bien joué à toi et bien joué à tous les participants de ce top 10. Évidemment, n'hésitez pas à les féliciter dans les commentaires et puis à féliciter Ozoli grâce à sa chaîne qui sera dans la subbox de Code QG, je le rappelle. En tout cas, le prochain top 10, ce sera un top 10 spécial Beta Infinite Warfare. Oui, car vous allez pouvoir jouer à Infinite Warfare, vous allez pouvoir le tester et sortir des gros clips de fou pour nous les envoyer pour un top 10. Et puis, ben, vous verrez bien si vous passerez ou si vous passerez pas. L'adresse, c'est toujours codexcuseur@gmail.com. Il me semble. Du coup, bah bonne chance à tous et puis bon jeu pour la bêta Infinite Warfare. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit et je vous dis à très bientôt sur Code QG, c'était Chuck Dacrou. Allez, à plus les gens.